famille, là, je vois Roland, je vois Vivien, je vois les copains, Théo, Thomas, plein. Il y a papa, maman, la grand-mère, tout le monde, plus d'autres, hein, bien sûr, la grand-mère, elle est par là. Et ça aussi, ça fait partie de toute ta carrière, puisque tout au long de ta carrière, on les a vus aussi sur le bord de la piste. On a vu sur le film ta maman tout à l'heure exploser de joie. Non seulement tes exploits, mais aux exploits aussi des autres. Ça, il faut le préciser. Annette, elle t'a accordé des encouragements, mais tous les autres ont eu ces encouragements. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont des encouragements pour rentrer dans une nouvelle vie avec un beau challenge pour toi. L'avenir, tu peux nous en parler? Oui, mais je vais déjà revenir un petit peu sur les émotions que j'ai vécues pendant toutes ces années de Coupe du Monde. Ça fait depuis 2003 qu'on est le même groupe. Et les émotions, si on les vit tout seul, elles ne servent à rien. Donc vraiment, merci à mes coéquipiers, mes coachs, mes techniciens et tous les gens qui m'ont soutenu. Merci à ma famille parce que. Ils en ont fait des déplacements à l'étranger pour aller sur les compétitions et ils ont toujours été présents, même jusqu'à Vancouver. Là, le week-end dernier, on avait encore une vingtaine de bonhommes à Oslo et vraiment ça fait chaud au cœur de pouvoir partager ces moments. Et que vont-ils faire maintenant? Bah justement, je sais pas. C'est vrai que mes parents ils vont avoir plus de temps pour eux l'hiver prochain. On peut avoir tous ces déplacements à faire. Donc, et je vois Nicolas Michaud aussi qui a été présent lors de depuis mes débuts et on ne l'a pas vraiment remercié tout à l'heure, donc je voulais te remercier maintenant. Mais il y a tellement de monde à remercier en fait que je ne veux pas en oublier, donc les gens se reconnaîtront, tous les gens qui m'ont soutenu. Merci Jason. On peut applaudir, s'il vous plaît, ces grands champions. On peut